Imagine que tu viens rouler seul ici. Et tu ne dois pas avoir envie de rouler parce que c'est le désert. Good? Yeah. Like good? Yeah. Sore? Yeah, sometimes. Super hand. How's the four stroke for you, buddy? Good, I like it. You like it? C'est bien cette moto, putain, c'est royal. J'aurais une 125, hein, tu te fais chier. C'est bien ça. Did you ride yesterday? No. I went to start.
Star West. It was good. Oh, yeah? Yeah, fun. Je vais voir Mitch un peu dans son bureau. Puis après on s'arrache. Ok. I thought we got his stuff. No, stuff at Gene's house too. Yeah, all my stuff is at Gene's house. Oh. But you'll need that when you come back anyway. Hey, when's the last time you talked to him? Yesterday? Yeah. Does he tell you what he's doing? Yeah, I don't know. I mean, no. Maybe green, maybe yellow, maybe red. Who knows? Hey, maybe blue. Blue. Yeah, I don't know. I just want to, you know, if you guys say it's good. And yeah, Tuesday, because Thursday is Glen Ellen. Tuesday for sure, for me. Because it's better to go in the afternoon. Yep. Because it's rougher. Yeah. Do you have a number? Yeah, that was pretty hard. Quand j'ai fini de charger, je t'appelle. Autant vous êtes déjà parti et vous m'attendez à la station juste au bord. Autant t'attendre. Il est 4h30, donc c'était juste pour savoir si c'était prêt ou pas. Allez, ciao. I'm all
là lundi après-midi, on est rentré hier, donc normalement lundi on roule pas trop quoi. Et là on va rouler entre potes le lundi soir, c'est cool quoi. Mais c'est plus aller s'amuser qu'aller s'entraîner. Ça c'est l'Ave Maria ça. Pour l'instant, oui, je suis bien pour la course et tout, mais bon, c'est parce que ça ne va pas plaisir à l'avenir, mais c'est vrai que j'aimerais bien rester ici toute ma carrière sportive, mais c'est vrai qu'il y a des choses en France qui me manquent et j'aimerais bien vivre du deux côtés de l'Atlantique quand j'aurai fini ma carrière. Neuve. Non, mais attends, une bougie neuve. C'est un amortisseur, c'est comme ça, il descend pas jusqu'au bout, il fait. Je fais une espèce de chaleur. J'ai fait mettre une petite à plat comme ça pour retirer de la gêne. T'as vu que la mienne elle part pas comme ça. Ah, mais là, inverse bien je sais pas, on dirait qu'elle est dure, mais elle reste plus comme ça l'assiette. Ouais, faut que je comprends là. Un lever parfait, se mettre tout devant.
c'est comme ça les gars, ça va être chaud. Et ouais les gars. C'est un métier hein. Vas-y monte. Il va arriver à 9h demain matin. Ouais, non, ouais, bah, ça va mourir. Tiens, vas-y, toi, t'as dans une cuisine là-bas. Là. On se met là-bas. C'est chacun pour sa mère. Ah, ouais. Ah, ouais, j'ai. Non, elle tourne left. Oh. Ah, non. Left on Winchester Creek. Yeah, left on Winchester Creek. And right on Winchester right Road. Winchester Road. Oh, fuck. Il va y avoir un petit mot quand tu reviens. T'es énervé quoi? Normalement, tu vas aller à San Diego avec la trottinette. Ouais. C'est où là? C'est à Houston? C'est son truc favori, le jeu vidéo. Moi, 2 minutes de jeu vidéo, la télé en bas, dans l'eau. Ici. Oh, excellent. C'est bon, ça. Hein. Moi, ma maison, je l'ai gardée. Tellement. À quelle astuce ? Ça, la magnifique. Ah, ouais. Ah, là, je suis en train de. J'ai fait plein de travaux pour la vendre. Ouais. J'ai dépensé environ 27 000 $. Là. Et à chaque fois que j'y vais, que je vois la gueule qu'elle prend, ça me coûte 4 ans de la vendre. Je lui loué à ce Mexicain, ce petit Mexicain là, les trois, qui vont me prendre dans la maison pour gratuit. Ah ouais. Après, elle a pris trop de valeur. Ouais. Oula, là je suis mal. Ah, mais tu peux sauter les trips comme un. Ah non, elle est aussi rapide que la 125 parce qu'il l'avait faite comme une 50 avant et c'était chiant, tu pouvais rien sauter. Ouais, mais c'est pas joué. Pour ça, il est fatigué, faut qu'il arrête. Qu'il aille prendre la lame dehors. This is all about making music. This is all about. Ah, à demain. Si on va faire une photo demain, tu veux venir? Ouais, demain je viens, bien sûr. Bon, mais je t'appelle, je vais remettre un cowboy alors. Ok. La maquette, j'ai une putain de sono, moi. Je le montrerai plus tard. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vélo. J'ai attaqué il y a 2 semaines environ. Je commence à faire des gros sauts par là-bas. Il y a des gros sauts là. J'ai commencé à faire des sauts un petit peu, mais. C'est des bosses de terre, ouais. Mais je suis pas encore au top, hein. Mais tout ça, ça va, mais les gros sauts en l'air, je suis un peu. Voilà. This is all about you and me. This is all about our progression. This is all about my motivation. This is all about walls shaking. This is all about you and me, listening. Donc voilà le terrain de Supercross. C'est le dernier que j'ai fait, celui-là. Donc tu peux voir la texture avec les ornières et tout. Donc ça c'est la version 3D. Donc là voilà le terrain en noir et blanc. Et puis avant j'utilise Photoshop pour faire toute la peinture. Donc les sous et tout, blanc c'est plus haut, noir c'est plus bas. Après je passe, donc une fois que le terrain est fini, que j'ai fini comme ça, il faut faire une texture. Donc je fais une texture avec donc l'herbe, la terre, les ornières, tout le bordel. Je le mets sur le portable là-bas, qui envoie les informations à la grosse PlayStation qui est là-bas, qui envoie à la télé. Ouais, donc je fais une cinquantaine, une centaine de terrains par an comme ça pour les jeux vidéo.
un week-end de course est tellement fatigant, et pas à cause de la course elle-même, parce qu'on fait, on fait pas beaucoup de tours, quoi. On fait les essais, on fait une manche de 6 tours et une manche de 15 tours, donc c'est moins que ce qu'on fait dans l'entraînement. Mais à la fin du week-end, t'es fatigué mentalement parce que t'es tellement stressé pendant le week-end que finalement, quand le dernier tour de la course, tu passes au rapport à damier, et là, ça y est, là. Et d'un coup, t'as vraiment faim parce que t'as pas mangé depuis un jour. T'as vraiment faim, t'es vraiment libéré, et là, la fatigue, elle te tombe dessus. Je pense souvent à des moments où j'étais tombé assez fort, je m'étais fait mal. Quand je suis sur un terrain de Sparrows par exemple, dans un endroit spécial ou un saut spécial qui me rappelle ces moments-là, c'est des trucs qu'en course tu oublies complètement parce que quand t'es en course, il y a l'adrénaline et tout le reste. Mais aux essais par exemple, c'est des trucs que quand tu penses. Oui, le fric ici fait une énorme différence avec la France. Je veux dire, il y a vraiment des moyens de gagner beaucoup d'argent, il y a des contrats énormes et tout. Bon, c'est clair, c'est toujours la passion qui pousse avant tout, mais le fric est quand même c'est un gros bonus, quoi. Que, je veux dire, si c'est quelqu'un qui te dit qu'il fait pas ça pour le fric, qu'il pense jamais au fric, il te ment, quoi. Parce que il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est toujours plaisant de gagner de l'argent, c'est clair. Champion. Faut que je mange un peu plus. Hein, ça sera trop en McDo. Déjeuner champion de McDonald's. J'ai mon petit sac bleu de Ikea. Enfin, le gros sac bleu. Et quand je rentre, je mets mes affaires dedans. Donc j'attends 2-3 jours pour bien remplir le sac bleu. Après je le mange, je mets tout dans la machine et c'est parti. Et ça lave tout. Hello Lucky. Que je déteste le plus. Il mort. C'est clair. Egg and cheese bagel? 665 is the first window, thank you. Putain, c'est bon le McDo le matin. Si ça aide, j'ai les œufs. C'est un bon petit déjeuner ça. Non, je m'entraîne souvent avec mes. Avec mes teammates comme Ivan Tedesco et Eric Sorbi. Parce que bon, on fait beaucoup de testing, donc on est souvent ensemble. Et on s'entraîne souvent ensemble quand on fait des départs, on fait des courses des fois ensemble, des trucs comme ça. Donc c'est toujours bien quand t'as
que t'as un mec qui est aussi rapide que toi ou plus rapide que toi dans le team, tu peux toujours prendre des trucs à droite à gauche et essayer d'améliorer justement ton pilotage ou ton chrono ou des trucs comme ça. Donc c'est souvent mieux dans les groupes sans course. Parce que bon, il y a aussi tellement de pilotes qui roulent dessus que la terre elle tient pas quoi. Donc les hoops commencent à être vachement kept out comme on dit aux US. Et ils sont vachement durs quoi. En fin de soirée, quand c'est le moment de la finale, les hoops en général ils sont vachement costauds, ils sont durs, ils sont dangereux, donc c'est pas toujours plaisant quoi. Alors qu'une série de hoops toute neuve, c'est super, il y a rien mieux qu'une série de hoops toute neuve. Là, tu te régales, là tu rentres à fond de 4 et ça passe à une vitesse. Et bientôt arrivé là, encore 5-10 minutes. Bienvenue au terrain Kawa. Là, on sent bien arrosé. Regarde la rosa. Ça, c'est Ivan Telesco. How you doing? Now, hey, are the hoops still good? Yeah? J'ai mal au bras, oh. Après l'échauffement. That one's not fixed yet over there. You had to water. Turn that one on only and water it and then shut it off while you do the other. Ça va ou quoi? Bon! Zubi zubi. So tomorrow? Can I ride? Tomorrow. Yeah. Oh. Maybe I just do one force. You made a gas, eh? How's the new track? Sorry. So you'll be at Sacramento? Yeah, for sure. If I don't hurt myself again. Yeah.
French guys, they do tend to have their certain mentality, so to speak, but they're every bit as professional as we are. But there's always that little hidden rivalry. I think it will always be there. It'll never go away. To me, I think it's kind of a healthy thing. Like I said, Sorby and Roncada are great guys. Everybody compliments each other. There's no infighting on the team, if that's what you guys mean. En fait, on m'a pas trop dit tu vas rouler aux États-Unis. Je savais pas trop si ça allait se passer ou pas, mais il y avait Xavier Audouard qui m'a vachement aidé à avoir un contact ici avec Eric Perronard. Ils m'ont toujours vachement aidé à avoir un contact avec Honda of Troy à l'époque. Et donc ils m'ont arrangé le voyage pour venir aux US et essayer la moto avec le team. Et donc je suis venu ici pendant 3-4 jours. J'ai essayé la moto, le team m'a arrêté de rouler et tout, et ils ont décidé de me signer. Donc je suis venu en fait la première fois aux US sans savoir si j'allais avoir un contrat ou pas. Et puis après, bah, quand ils m'ont dit de me signer, bah, j'étais tout content quoi. Parti à l'aventure. Ah oui, c'était un rêve, oui, ça c'est clair. Je voulais vraiment pas rester en Europe, je voulais tout près partir aux US, même si c'était un petit peu tôt, j'ai pas regretté. You want over there? Oh. You're like flat tracked. So slick, huh? You get a bike or east. Because it was just, you guys get used to the climate. Il y a pas mal de pilotes qui habitent en Californie. Quand le championnat outdoor commence, ils essaient de rester sur la côte est le plus possible. Genre, ils louent un minivan, ils prennent la moto avec eux et ils restent sur la côte est chez des amis ou alors à l'hôtel et ils s'entraînent sur la côte est pour s'habituer au climat justement. Parce que le climat est vachement différent sur la côte est, c'est beaucoup plus humide. Mais c'est galère quoi. Là, tu reviens pas chez toi, tu es toujours sur la route. Donc, j'aime bien rentrer chez moi tranquille, aller à la plage et prendre un peu du bon temps quoi. Quand on va arriver dans les collines, là, à Beaumont, à 30 minutes d'ici environ, il y a des sauts de partout, il y a des sauts énormes de 40-50 mètres sur le coteau des collines, des grands doubles en virage qu'on prend en fond de 4 avec la moto à plat en l'air. C'est avec des distances énormes, des trous de 10 mètres de profondeur, 10-15 mètres de haut. Les boîtes, c'est dur à enlever, putain. Surtout quand il fait énorme comme moi. Putain, j'ai la flemme de me déshabiller. J'ai acheté il y a 5 ans sur mes environs. C'est tout en travaux là. Hey. Je l'ai acheté quand j'étais tout seul ici et tout. J'ai beaucoup de souvenirs à ces maisons encore. Ça me fait mal au cœur de la vendre. Donc là, voilà l'écran du coup on se parlait. Et donc avant, ici c'était la cuisine avant là, ça c'était le garage là-bas. J'ai tout cassé, j'ai fait la cuisine. Avec une grande télé dans la cuisine. Bah là je vais faire une addition plus tard si je peux, je vais faire une salle de ciné avec au deuxième étage une chambre et un WC. Le cuisine qui est un peu un bordel parce qu'il est, il est cassé, il faut le réparer mais voilà quoi. Donc voilà, c'est beau ici là. J'aime bien venir ici. Et là, donc, je vais tout refaire le landscaping, que ce soit beau et tout, et qu'il n'y ait plus de poussière dans la maison. Mais ici, hein, sud de la Californie, dans cette région, c'est vraiment cool. Quoi. Tu peux laisser tout ouvert et il ne se passera rien du tout. Hein. I got you laid out, it's all you.
Les enfants, ne faites pas ça à la maison. She's a camera chaser. Oh, yes. On va à la salle ou quoi? Ouais. En attendant, il y a tous les jours. Faut juste y aller. Tous les jours. Sauf le samedi. 5 heures, tous les jours. Gym. Ah grand, la glace. Ouais, mais c'est pas comme ça. Pas facile, hein. C'est un métier. C'est qui fait le bâtard? Quoi? C'est terrible ici. Allez, viens. Des propriétés au Texas, donc il y a des gars qui m'envoient des messages pour me donner leur avis en fait. Non, je m'installais pour avoir des circuits au Texas et c'est 10 fois moins cher qu'ici déjà. Ici on a des maisons mais on n'a pas de terrain, on peut pas avoir de terrain parce que c'est assez cher quoi. Là c'est le chambardement. J'aurais dit vous faites une piscine là, ceux qui ont fait le design. Et... En 3 jours. Ils sont venus en 3 jours, ils ont fait. Ils ont creusé, ils ont rebouché l'autre. Ils ont mis la ferraille, c'est le plus long à faire. Ouais, c'est pas super important parce que j'ai pas trop à signer pour l'année prochaine, mais... Mais il faut que je re-signe pour mes habits, mon casque, mes lunettes, donc... Il y a quand même 2-3 trucs et puis il a quelques idées pour des sponsors extérieurs du monde de la moto, donc on va en discuter ce soir. Ouais, je travaille sur les motos, c'est pour ça que j'ai un bon garage, j'ai tous les outils. Oh, je fais la maintenance de ma moto, c'est moi qui la fais. To race, it's very nerve-wracking for me because, you know, I've seen him get hurt, you know, too many times that every time, you know, I go to a race or I'm at home listening on the internet, you know, as soon as I hear the sound of the bikes, you know, I want to throw up. So when he crashed in Daytona, I was standing, you know, 10 yards from him when he crashed, and it was, you know, one of the hardest things I ever had to watch, you know, and it was, you know, it's really, really terrifying to watch because I know he's, you know, he's very good at what he does and he probably won't get hurt, but I know there is a small chance that he can get hurt, and when he does, it's, you know, there's a good chance it could be something bad. I don't know. I can't believe it. You know, David, he's afraid of little things like getting a shot at the doctor's office, but he's not afraid to go, you know, jump his motorcycle, you know, 50 feet in the air. You know, he doesn't want to sit at home and live the normal life. He wants to be on his bike, so it's, I don't understand it, but it's what gets him up in the morning, so. I think before everybody thought it was kind of a bad thing to be married and to have a family and stuff, but now it seems like all the guys are doing it, you know? It's more common now to be married and to have a family than it was before.
Oh, tête de nœud. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je fais pas grand chose, je fais ce que j'étais en train de regarder, que t'as un mot de l'étage aujourd'hui. Ah ouais, ouais, ça va. Voilà, et toi? Bah rien, parce que là on est tous là, et t'as dit que tu voulais faire du billard, je sais pas quoi. Ah ouais, ouais. J'aime bien rechercher un peu des trucs sur internet. Des vieilles courses par exemple. Dans les courses de 10 ans par exemple, de Lou Dord il y a 10 ans. J'ai trouvé ça sur un forum. Ça a 10 ans, ça n'y va plus ce circuit maintenant. C'est fini. J'ai toujours dit que je préfère une victoire d'une seule course aux États-Unis qu'un titre de champion du monde. Là pour l'instant on est en pleine saison, donc c'est plus de l'entretien. Donc on roule beaucoup, j'essaye de rouler tous les jours pour ne pas perdre les habitudes et puis toujours avoir un bon feeling sur la moto. Et puis après c'est plus entretien, décrassage, enfin rester en forme quoi. Mais le gros du travail c'est l'hiver. On travaille 1 à 2 mois d'endurance et après on commence à faire des sprints et du cardio. Donc, toujours sur l'équilibre du fait qu'il faut toujours signer un contrat. Et le contrat est déterminé sur les dernières courses avant de signer. Les gens se oublient vite les résultats qu'on a fait dans le passé. Je pense que la moitié des spectateurs viennent pour le show en fait. Ils suivent pas trop le championnat ou ils viennent plus voir un spectacle. Non, je regarde le foot, c'est tout. On a une chaîne qui retransmet des matchs français, enfin européens. Puis on a jour de foot, donc ça c'est un classique toutes les semaines. Et voilà, pour suivre un peu les exploits de Marseille. Même si ces derniers temps, les exploits, on les compte sur le dos de la main, mais il faut toujours supporter Marseille. C'est un sport individuel qu'on fait, mais il faut un très bon entourage pour y arriver. Comme je disais, ma fille, c'est un peu ma stabilité aussi, donc c'est important. C'est vrai que ça va être de plus en plus dur. Moi, je vieillis un peu. Bon, je suis pas très très vieux, mais bon, après, t'as les jeunes qui poussent derrière. Donc, faut toujours un minimum de motivation pour rester au top. Et comme je disais, si pour faire des podiums en championnat US, si t'es pas motivé à travailler, c'est pas possible d'y arriver. C'est rempli toujours demain. C'est pour ça que DV, je suis venu à l'avance parce que DV va gueuler. Il y a plein de monde. Bonne journée si je puis dire. J'ai repris mon petit train-train habituel du mardi, c'est-à-dire échauffement, petite manche de 10 tours, histoire de se mettre dans le bain, et une finale de 17 tours. Donc pas mal, l'épaule va mieux. Donc c'est bon signe pour ce week-end et ça roulait pas trop mal, donc ça va. Maintenant ça fait combien? Ça va faire 4 ans que je suis là. Donc bon, la première année c'était pas facile. Et puis maintenant c'est comme partout. Hein. Quand tu déménages, tu prends tes repères et
tu t'habitues à la vie. Mais maintenant, c'est nickel, hein, j'aime bien ici. Je préfère presque ici qu'en France. La plupart d'entre nous, à part Ronron, qui a plein de potes ricains et tout ça, mais sinon, on reste souvent tous ensemble, que ce soit sur les terrains ou on se voit souvent dans la semaine, à la gym. On est pratiquement tout le temps ensemble, c'est bien. Je trouve que on est pas un petit clan, mais bon, on reste un peu soudés et ça va nous aider les uns des autres. Et on parle français, on a la même culture, on aime les mêmes choses et tout ça, donc c'est bien. On vient juste de passer les Calzinor, petit terrain sur la gauche. Là. Pour ceux qui veulent venir en vacances, et ils peuvent venir rouler. Là. C'est, je sais plus, $15 je crois la journée. Il y a 400 terrains, c'est marrant. Des fois on y va, mais bon, c'est bien pour s'amuser, pour s'entraîner. Mais bon, on n'a pas trop le temps en fait de faire des trucs à côté. Quand on roule pratiquement tous les jours. Le seul moment où on roule pas, tu es obligé de t'entraîner à la salle ou de faire ton sport pour la moto. Ça donne pas beaucoup de temps libre pour les à côté. Juste là, c'est Yam à 20 mètres. Là-bas à droite, c'était KTM. Donc là à gauche, c'est Honda. Ils vont tester aujourd'hui. Il y a les camions. Et là, c'est Suze. Bon, on va voir si ça va ou quoi. Hein. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. Voilà, ça va encore à peu près, mais les hoops ça fait mal. Déjà mieux que lundi. Lundi je pouvais pas rouler. I have never been more ready in my entire life. I have never been more ready in my entire life. How many laps did you do? I just did maybe 8 and then 5. Le plus gros, c'est l'intersaison. Si tu as bien bossé l'intersaison, après, avec toutes les courses qui s'enchaînent, donc vu que j'ai roulé l'Est et l'Ouest, ça fait comme si je roulais en 2,5.
On a eu 11 week-ends d'affilée, donc si t'es pas bien entraîné au début, c'est pas facile à rattraper le... Tu peux pas rattraper le retard entre les courses. Donc, et puis bon, si tu roules beaucoup la semaine, après t'arrives le week-end, t'es fatigué. Et c'est le week-end, faut être en forme, donc voilà. Moi j'ai eu la chance que mes parents viennent avec moi, donc ça m'a vachement aidé et j'étais pas seul. C'est vrai que c'était quand même un avantage. Mais c'est pas facile, tu te retrouves tout seul quand même, quoi. Mais bon, c'est un choix aussi, t'es venu... On t'a pas obligé à venir ici, hein. Donc tu as choisi de venir ici, c'est pour faire un sport, donc tu t'en profites de le faire à 100%, et puis voilà, quoi. Ouais, moi j'aime bien le sport, hein, donc que ce soit la moto, j'aime bien le foot, et j'aime bien le sport en général. Donc tous les matins, je regarde l'équipe sur Internet, et j'essaie de me tenir un peu à l'actualité. C'est bien, et David, il aime bien le sport aussi, donc on en parle vachement et tout, c'est cool. Petite gâteaurade. La première année, ouais, je disais, putain, j'ai envie de rentrer et tout, j'avais cafard et tout des fois, mais maintenant, ça ne manque pas. Voilà, je suis là depuis novembre et j'ai pas envie de rentrer, quoi. Par contre, quand je rentre, bon, mais en plus, quand on rentre, c'est pas pour travailler, c'est pour faire les cons, donc... Donc c'est vrai que quand tu repars, bah, ça fait bizarre, mais bon... Ma vie, moi, c'est ici maintenant, donc pour l'instant. Donc voilà. Là, c'est le système d'arrosage ici. Hop. On ferme jusqu'à la semaine prochaine. La boisson pour l'entraînement. Marseille qui joue là, regardez ce qu'ils font. 0-0 pour l'instant, 30e minute. Alors je vais te montrer ce que je télécharge un peu des musiques des fois à mes heures perdues. DJ 42. J'aime bien, bon, ouais, j'aime les musiques qui passent à la radio, moi je suis pas compliqué. Ça. Comme ça, hein. Deux séries de hoops, ça va être bien pour l'épaule ça. Voilà, en fait regarde, au début d'année on a le plan de tous les terrains. Là, tu vois ce qui va se passer sur les courses. Tu regardes un peu, puis si t'es mauvais un truc qu'il y a sur une course, tu vois par rapport au plan, tu peux t'entraîner un peu à l'entraînement. Tu vois là, il y a des jump on, jump off, ça c'est chiant. Des fois il y a eu des départs surélevés là, comme en bicross. Tu le voyais sur le plan, voilà, c'est classique. I have never been more ready in my entire life.
Là, je prépare mon sac pour la course, toutes mes affaires et tout ça. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Regarde. En supercross, ça ne change pas beaucoup, donc... Fais gaffe de rien oublier. Que ce soit pour l'argent ou à n'importe quel point, tu es très reconnu quand tu fais du motocross. C'est un sport... ils savent ce que c'est, quoi. Ils connaissent. Donc en Europe, tu dis tu fais du motocross... ils pensent que tu roules dans un champ et que c'est pas professionnel, quoi. Ça commence à changer, mais bon, c'est pas encore terrible. Tant qu'à faire un sport, autant aller à l'endroit où c'est le mieux, et qui plus est, ici, c'est là où tu gagnes le plus d'argent. Donc c'est là où, ouais, c'est le paradis pour faire du motocross. Bah déjà, en motocross, faut savoir que si tu penses à... si t'as peur de te blesser ou quoi, t'avances plus. Bien sûr, tu penses quand t'es... Quand tu roules pas, tu te penses, putain, faut pas que je me blesse ou faut faire attention et tout. Mais dès que tu roules, enfin moi personnellement, je pense pas à ça et je me donne à 100%. Et bon, si je me blesse, ben, c'est les risques du métier, quoi. Ici, ils viennent voir le supercross plus comme un... je sais pas, comme s'ils vont au cinéma, quoi. Ils ont leur popcorn, c'est pas forcément des connaisseurs. Et des fois, tu vois des gens qui font la queue peut-être 10 minutes pour acheter un hot dog alors que c'est la finale 125 ou la finale 2,5. Ça fait plus de sensations quand tu rentres à Bercy, que tu roules à Bercy devant tout le monde, parce que tu peux entendre les gens et tout ça, que quand tu roules aux US. Par contre, c'est vrai que les stades, ils sont immenses et que vraiment, quand tu rentres dedans pour la première fois, mais sans rouler, quoi, que tu regardes, c'est un peu impressionnant, mais quand tu roules... On fait la sieste. Alors, au bout t'en fais, plus t'es fatigué. Et là, je fais la cuisine chez Steve. Lui, il met en route et il dit qu'il fait la cuisine, mais il va prendre la douche, alors... Faut pas que quelqu'un s'en occupe, hein. Ah, je fais à bouffer. Bon, on surveille les pattes, les gars, hein, je vais prendre une douche. Et il a trouvé la technique, hein, c'est tout enfoiré. Moi, je suis chef pisto, regarde. Les pattes. Ah, moi, je suis feignant aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Ah, Ronron, il a pas faim, regarde, il en a pas pris beaucoup. Ouais, bien sûr. Hey, baby, what's up? I'm at Steve's house, we're eating lunch. They want to go play golf at 2 with David, and I film us and stuff. Bon, what's up, my neck? T'es toujours pas rasé, toi. Pas mal, non? Il faut que je le copie, parce que moi, je sais même pas où je dois prendre les billets d'avion. Donc, moi... T'as pris tous tes billets d'avion, toi? Ouais, non. Ouais, jusqu'à Sea City, du tout. C'est la date de la course, hein, pas de là où tu dois voler. Ouais, la date de la course. Tu peux me faire une photocopie? Hein? Et moi aussi, tiens. Deux photocopies, vas-y. Non, sérieux. Deux photocopies. Tu veux pas enlever le bleu pour moi, là? Parce que blanc, moi, pour moi. Pour moi, j'en ai une, sans le bleu. Ah non, c'est bon, le bleu, tu vois les week-ends. Le je... Eh, c'est bon. Oh, Steve, il a rien acheté à IKEA. Ce que je vais faire, moi, le Texas, si je vais aller. Elle s'est mis en mort. Allez, je parle. Allez, filmez Kesson, il est là. Bon, c'est parti. J'ai l'air d'un vrai golfeur là, non? Hein? Comme un pro. David. Merde. Moi, je suis le pro du démotage. Moi, je démote. Putain, mais il me reste 209 balles! Oh là là! Oh là là! Oh là, là. Ah, que c'était beau ça! C'est évident ça! C'est magnifique! Tu as mis ça combien? 150 yards! Oh, que c'était beau ça! J'ai mal à la tête. Faut se tomber par terre.
Sébastien ? Je suis arrivé, j'avais 19 ans, donc ça n'a pas été difficile pour moi de franchir le cap, parce que j'étais jeune, parce que j'étais quelque part ça coulait de source, et c'était ce que je voulais faire. Je ne regrette pas le choix que j'ai fait, et mon seul moyen de ne pas le regretter, ça sera de réussir ici. Je ressentais le besoin d'avoir créé une famille, et d'avoir une famille autour de moi, et je pense que chaque fois que je m'entraîne, je rentre à la maison et j'ai mon gamin qui est derrière la porte et qui crie papa, papa et qui me fait un grand sourire et c'est tout l'or du monde quoi. Papa. Qu'est-ce qui fatigue un pilote de haut niveau ? C'est pas, quelque part, c'est pas les courses, c'est la fatigue mentale de rouler depuis qu'on a 4 ans, 5 ans et qu'on n'a jamais arrêté de la vie quoi. C'est tout ce qu'on a connu, c'est tout ce qu'on a fait. On s'est dévoué à ce sport et généralement à 25 ans, quand tu approches la trentaine, tu en as ras le bol parce que tu es usé. C'est pas l'usure physique, c'est l'usure mentale. Les 60 000 personnes, tu les vois une fois que la ligne d'arrivée est passée, que tu montes sur le podium, c'est là où tu peux quelque part apprécier qu'il y ait autant de foule. Et jusqu'à ce moment-là, c'est quelque chose d'abstrait. Et si ça rentre dans ton domaine de la compétition, c'est dire que tu n'es pas focalisé sur ce que tu fais réellement et que peut-être à ce moment-là, ça devient un problème. I've rode never, but I still enjoy the sport. I ride. I love dirt biking. I've been to a couple supercrosses in Anaheim and San Diego. Yeah, I've been to one too. Did I say the French are the best? Oh! Mon petit jouet. Oh, c'était un rêve d'enfant. Déjà de venir aux États-Unis et d'avoir ma moto dans ma maison, donc ça m'a. En plus, chez Pro Circuit, on a des belles motos, donc ça va, j'ai de la chance. C'est pas comme si j'avais une moto orange dans mon salon, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu froid. Et en fait, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'apprécie, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là, tu vois. Parce qu'il y a eu pendant 3 ans où j'ai vraiment rien fait, j'ai fait que la fête. Bon, il y a quand même des personnes qui ont cru en moi, et donc qui m'ont aidé, et qui m'ont surtout remis sur le droit chemin, comme Michael Pichon. Si je suis là, c'est grâce à lui, sans lui, ça se trouve aujourd'hui je balayerais les rues quoi, à Marseille. Non mais ici en fait ça s'est passé mais vraiment bizarrement. Hein. J'avais signé mon contrat en Europe. J'étais sur internet et je parlais à David Villemain. Et j'ai dit tiens, il n'y a pas une place aux US. Et à cette époque-là, Mitch Payton, dans le team Pro Circuit, tous les pilotes s'étaient blessés. Donc il est allé le voir. Quand il a dit mon nom, il a dit attends lui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Bercy, dans une boîte de nuit, avec une bière à la main et une cigarette. Il dit, faut qu'il ait... Et David, il dit, hein, mais il a changé. Il dit, mais il faut qu'il ait vraiment changé alors. Et donc, 3 jours après, il m'appelle, il me dit, si tu veux venir essayer la moto, il y en a une, mais il ne te fait pas de contrat. Donc, je suis venu, j'ai essayé la moto, et au bout de 3 jours, ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de problème. 10 jours après, je faisais ma première épreuve, et là, j'ai fait mon premier podium.
Bon, à partir de là, c'était réglé l'histoire. Faut tout faire. Voilà. Hein? Je mets ma bouffe. Ah, mais c'est des trucs diététiques. J'essaye de me mettre comme un vrai pro. Arrêter d'aller manger des hamburgers ou des conneries comme ça. Là. Donc, faut tout faire pour y arriver. Et même manger. Comme ça. Ça. Une serviette banale en fait. Si tu fais pas de podium en outdoor, ben jamais tu peux l'avoir. Donc ça la vaut des sous. C'est là où tout se passe. Hein. Parler avec la France, les emails. Je tape. Bam! À peine à la vitre de la maison là-bas. Ah, un sac tu mets dans les poches, après tu cherches les gants parce que tu les trouves pas. Donc, la corbeille. Donc voilà. Ça. Là c'est bon. C'est là en fait. T'as vu ça? Ça va être une belle journée. En plus, il fait super tôt. Super beau. On dirait que de faire chaud là-bas, c'est ça le problème. Hey, t'aurais dû venir, Duf. Bordel. Bon, la prochaine coup, je te réserve des petites. Je fais de la course à pied, du vélo, et après en dehors de ça, il m'arrive d'aller à la mer, faire du longboard, mais vraiment un petit peu, parce que. Déjà, l'été, notre saison, c'est la saison elle est chargée, c'est l'outdoor quasiment tous les week-ends. Et les week-ends off, j'en profite pour me reposer ou pour faire un peu de sport, mais tout en dilettante. Et à la mer, je peux pas trop y aller parce que le problème, c'est que ça me ramollit les mains. Et après, j'ai plein d'ampoules le jour des outdoors. J'aime pas rester longtemps sur un circuit. J'ai fait ça toute ma vie. J'arrive, je m'échauffe un peu. Je fais vraiment du spécifique et hop j'arrête. Je m'amuse plus trop comme avant. Avant, je roulais, je m'amusais, ça durait des journées entières, je ne peux plus faire ça aujourd'hui. C'est motivant, tu gagnes une finale, tu gagnes 35 000 dollars, ça fait un gros chiffre. Maintenant, quand je pars faire une course ou prendre un départ, je me dis pas oh, j'y vais pour l'argent, parce que le jour où je me dis ça. C'est vraiment qu'il faut que j'arrête ou alors ça sera vraiment ma dernière année. Mais non, chaque fois que je prends un départ, c'est en premier, c'est vraiment parce que c'est ma passion et puis voilà quoi, il n'y a rien d'autre. Surtout ici, tu fais un podium ou tu gagnes. Bon, malheureusement, j'ai jamais gagné, mais je suis vraiment pas passé loin. Je fais beaucoup de deuxième place et troisième place. Mais c'est fabuleux. T'as 70 000 personnes qui sont là, qui t'acclament, tout ça, c'est bien quoi. T'es une star. J'aime bien ce côté-là, quoi. Ça fait plaisir.
At times, definitely shows there's a difference because they feel that they have to prove themselves that much more to be here. Because there's a lot of fast guys in the States, and when they come over here, they feel that they have to prove themselves even more so to stand out. Chaque entraînement, j'ai quasiment une moto neuve. Ça, c'est bien par contre. En Europe, une moto d'entraînement le fait la saison. Right, Vegas. Dès que je me lave le matin, le premier truc que je fais, avant tout, avant de faire n'importe quoi que ce soit, je check mes emails. Ça permet aussi de suivre les Grands Prix. Ouais, surtout, je regarde plus que Pichon en roule. C'est tout. That'll be fun tomorrow afternoon or something like that. Ouais. Oui. I don't know, you put the new rubber boot on it. Ça, c'est bon, ça. Passer de vitesse.
une bonne journée, ça fait du bien à Jacques Blum. Bon, il n'y a pas les petites pour la télé. Normalement, il est full. Mais bon, après, c'est pas bonne impression. Là, c'est Chirail, ça. Ouais, pour de bon, attends, quand je me mets là, je mets le saumon de partout. Ah, ça m'a... Génial. Moi, je cuisine des champignons là avec le riz, la sauce. Je me suis mis un objectif, j'aimerais bien arriver ici. Donc, bon, mais il faut faire des sacrifices, donc je l'ai fait. Et donc, je me suis intégré au pays sans trop de problèmes. Donc, je vois bien mon avenir aux États-Unis. C'est sûr que la France me manque. C'est pas la France qui me manque, c'est surtout la famille, mes potes d'enfance et tout ce qui avait autour de ma petite ville. Mais bon, c'est un choix et je le regrette pas. On a plus d'ambiance à Bercy que dans une supercross comme en AM ou toutes les autres épreuves. Quoi. Ça fait drôle, mais ça fait pas, c'est pas impressionnant. Moi, si la course qui me fait vraiment le plus de frissons, c'est bien Bercy. Les gens sont dans le casque, quoi. Même s'il n'y en a que le un tiers de ce qu'on peut avoir ici. Super dur et bon, y a 2-3 enchaînements techniques, mais bon, ça a pas l'air trop compliqué pour l'instant. À mon avis, je vais arriver du premier essai et je vais dire que c'est vraiment de la merde ce terrain. Et après, ça ira mieux. C'est comme ça tous les week-ends. C'est vrai. Thank you.
Terrible, c'est retour à la West Coast, c'est béton dans la terre, donc bon, bah, c'est pareil pour tout le monde, mais ça a l'air un peu moyen quand même. Ça glisse. Encore là, ça va, je trouve. Un essai cassé. Il est vert là. Bah, allez, c'est pas le Dodge, mais bon. Tu signes à quelle heure toi ce soir? 6h. Et où? À Plano? Un peu pourri, alors je sais pas que demain ça ira mieux le terrain. Franchement, je me sens pas trop mal, mais il fait chaud ici. Il fait chaud et humide alors. Oui, l'après-midi ça. Ouais, j'ai un problème de moto, mais bon, ça va. Ça va aller demain, je pense. I don't know, he said it went bad. I thought he looked good, but he said it went bad, so. Just shows you that I know nothing about what I'm watching. C'est dur, c'est la terre, c'est béton, ça glisse, c'est grave. Là j'ai mal, mais je verrai demain. Parce que demain les hoops ils vont être gros donc. On va mettre pas les fous les machines. Ah, je suis mort. Forcé. Ah. Vérifie un peu les news. Résultat des Grands Prix vitesse. Voir ce qui se passe. Je vais chercher la voiture. Elle est là. J'ai rien en voiture là-bas. I think it's cool, it's good for racing and it's good to see different people and it's good for our sport. Yeah, having a good time with Steve. It's making the year pretty interesting. Sometimes you gotta listen real close to how he's talking and you go, what? Oh, okay, alright. No, it's been a good time though. Thank you.
All right. Help yourself. Yum. All right, here we go. No, I'm not back ready yet. Let's just start riding again Monday. So. Un petit Italien du chef. Regarde, c'est là, on est là, Italie, à la maison. À l'ancienne. Yes. Déjà, on s'est mangé deux hot dogs là-bas. On s'est cassé le ventre. Là, c'était pas top, donc on essaie de se rattraper un peu sur l'italien là. Ah, t'as voir Kill Bill 2, on s'est vraiment régalé. C'était sympa. Allez, on va au terrain maintenant. On va y voir A6-2. Bon alors avant la course faut toujours se chauffer un petit peu. Toujours s'échauffer avant la course. Sinon c'est pas bon. Donc voilà. À l'intérieur là, t'as vu? Petit recoupage à l'intérieur. Parfait. Bon maintenant on va au terrain, on va se faire arrêter par les flics. C'est pas mal. Plus ça fond du terrain et plus je suis tendu. Le plus long c'est l'après-midi, on fait les deux essais, puis après on a 4 heures où on fait rien. C'est là le plus long je crois. Là, le plus tendu. T'attends et. Voilà, tu fais comme ça, attends. Toute la journée. He's a terrible guy to work for. He's really hard to work for. No, he's really cool to work for. He's probably one of the better riders I've worked for. Robert Bro? Oh, yeah? You know that, Are you going to the Ocho party next week? Of course we are. You're coming. Are you coming? Yeah. You're backflip from the front pin. Are you going to the top? Let's go. Let's roll. Let's rock. Le terrain, je pense que ça va être mieux que c'était hier. Les hoops sont un peu plus techniques. Et 10 minutes pour préparer. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, parce que quand on a eu l'œil sur lui assez longtemps en France, on le perd de vue, bon, on est quelquefois un peu inquiet, quoi. C'est certainement notre plus grande inquiétude, parce qu'effectivement, il y a la blessure, il y a le team qui peut des fois ne pas toujours permettre au talent de s'exprimer, il y a beaucoup de choses, et effectivement, la réussite ne tient qu'à un fil, parce qu'il faut penser quand même se recycler après, et une carrière loupée, c'est peut-être pas toujours facile de rebondir. Quelquefois, je pense qu'il y a des moments de solitude un peu difficiles. Donc, ce qui fait qu'on l'a fréquemment au téléphone, quasiment tous les deux jours. On le sent des fois quand il n'est pas bien, il appelle plus souvent. We're holding it.
And we signed at 4 o'clock. Ouais, au début, ouais, en France, c'était plus rare. Maintenant, il y a tellement de monde que ça fait partie de l'habitude et tout. Mais c'est bien, tu vois toujours des petits et tout, les petits chez les murs. Ils se régalent à leur célébrer. De venir ici et j'avais envie de changer d'air aussi. J'avais pas vraiment quelque chose de très très intéressant en Europe et je me suis dit bah, pourquoi pas tenter l'expérience aux États-Unis et voir comment ça se passe. Et j'ai mal commencé la saison parce que je me suis cassé deux vertèbres, donc j'ai eu un peu de mal à revenir et mais pour le moment je trouve que ça va pas trop mal. Suis nos essais, tombé un peu sur la tête. Ma Berlin 2. Il venait pour dormir avec moi aussi. C'est pas tombé fort, je suis dans. Ah non, je suis pas tombé fort, j'étais en l'air, j'ai lâché la tête. He come from
me suis refait mal à premier tour de la hit dans les hoops. Du coup, ça sert à rien. Faire encore plus mal, après je vais t'emmerder pendant je sais pas combien de temps, donc voilà quoi. Je vais faire le gant, du mal à la tête. Côté final, c'est fini. Moi, je me suis fait sortir par un retardataire. On est où ? How are you doing? Pretty good, sir. I know. Next week, right? Yeah. I think Stefan's awesome. He's talented. He's fast enough. He's always either the first or second fastest guy. And we just got to get, you know, to where we got everything consistent, where his starts are consistent, and get him down to where he's got 15 solid laps, the same as his fastest laps. And I think he's happy. And in the past, he's been a little bit where he hasn't been completely happy, and now he's happy with his life. And I think next year you're going to see a new guy, and I think outdoors he's going to do really good. Passez à la prochaine, les gars.